C'est une blague, Lily Rose. Mais quoi? Tu veux ramener le chat à l'école? C'est ton chat? Mais c'est quoi ça, Lily? Lily Rose. Quoi? Non mais faut se dépêcher là, tu vas être en retard au collège. Non mais là c'est bon, je prépare mes affaires, là. J'ai un gros projet d'art plastique. T'as art plastique aujourd'hui? Bah oui. Non mais c'est trop bizarre, bon, allez dépêche-toi, on va vraiment être en retard là. Ok, t'inquiète pas. C'est pas ça ton projet d'art plastique? Non, ça c'est un projet de physique-chimie. T'es sûre? Ouais. Pourtant ça ressemble à ça ton projet d'art plastique. Ah non. Bon vas-y, prends-le, dépêche-toi. Bah tu l'as caché avec une couverture. Ouais parce que c'est la surprise. Ok bon allez, vas-y dépêche-toi, j'espère que c'est pas trop lourd. Mais là on aurait dû déjà partir il y a 10 minutes là. Bon. C'est un peu lourd. Les amis, là on est ultra en retard et je vous fais une vidéo parce qu'on doit aller voir le directeur de Lily Rose parce qu'il a quelque chose d'important à nous dire, pardon. Apparemment Lily Rose va peut-être se faire virer du collège. Donc c'est important que tout le monde soit là quoi. Et de filmer tout ça. Bon, allez, mais. Oui, je me dépêche. Tu te dépêches? Oui. Mais il a l'air bizarre ton projet d'art plastique. Non mais. T'inquiète pas. Tu prends rien d'interdit à l'école, j'espère. Pas du tout, je suis pas comme ça. Bon allez, vas-y, prends-le. Allez, dépêche-toi et descends. Allez, Lily Rose, dépêche-toi! Ah, mais ça a l'air de peser une tonne ton truc! Ouais! Attends, t'es sûr que ça va? Oui, très bien, ouais! Ok, mais c'est quoi ton projet d'art plastique? Faudrait que tu m'expliques là parce que. Ça bouge! T'inquiète! Comment ça, pas. Ça bouge? Je suis pas sûr de comprendre là! T'inquiète pas! Bon, les amis, il y a un truc très bizarre avec le projet d'art plastique de Lily Rose. Je voulais pas vous l'expliquer quand elle était là. Elle est partie mettre ses chaussures, elle a posé le projet d'art plastique dans la voiture. Et je sais pas comment vous expliquer ça. Mais des fois, il bouge. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Ah, Lily Rose, mais ça va? Oui, mais y a rien dedans, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais justement, attends, vas-y, rentre dans la voiture, je dois t'expliquer un truc. Mais les amis, c'est sûr qu'il y a quelque... Oh, mais pourquoi c'est une cage? C'est quoi ça? Mais Lily Rose, touche pas, tu vas l'abîmer. Non, mais qu'est-ce que tu ramènes à l'école? Écoute, tu sais très bien que j'aime pas fouiller dans tes affaires. Bah fouille pas. Bon, ferme la porte, là on va être en retard. Faut que je te conduise à l'école. Écoute, pendant que tu n'étais pas là, j'ai vu le projet d'art plastique bouger. Bah c'est normal. Comment ça c'est normal? Bah en fait, quand on appuie sur le projet, c'est de l'électricité qui sort. Non regarde, chut, attends, bouge plus. Il fait un bruit. Bah c'est normal. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoute, c'est normal. Je peux pas te laisser emmener à l'école ce que tu veux. Surtout qu'en ce moment, t'es dans le viseur du directeur. Là, on a rendez-vous avec lui. Tout. Tu peux pas. Attends, non, mais je. Bon, allez, mais c'est rien. Qu'est-ce que c'est? Je vais regarder ce que c'est. Mais c'est rien. C'est une blague, Lily Rose. Mais quoi? Tu veux ramener le chat à l'école? Mais pas du tout. Non, mais t'as essayé de ramener le chat à l'école. Mais pas du tout, mais c'était pas ça qui était prévu. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais comment ça? Non, je suis sûr que tu le sais depuis le début. Bah non, je vais pas faire ça quand même. Mais le pauvre, il est dans sa cage de transport. Regarde. Mais... Et c'est pas. Bon, écoute, attends, je vais t'expliquer un truc. Attends, ça me gêne de dire ça, mais moi aussi les amis, quand j'avais l'âge de Lily Rose, mon rêve c'était de ramener le chat, c'était de ramener mon chat à l'école. Sauf que, bah, à chaque fois Peppa Pink et enfin nos parents, ils voulaient pas. Ou quand j'essayais de le faire, une fois j'avais essayé de le mettre dans mon sac, faut jamais faire ça. Il s'était échappé dans la rue, enfin bref, c'était catastrophique. J'ai envie de t'aider à le faire, ok? Oui. Vas-y, on essaie de le ramener. Oh oui, regarde, bon, cache-le, cache-le. En plus là, ça va, il est dans sa cage de transport, il va pas pouvoir s'échapper. Ouais. C'est bon là, les amis, bon. On a un peu de retard, il bouge. Mais on y est enfin. Ouais. On va pouvoir apporter le projet d'art plastique, enfin le soi-disant projet d'art plastique. Allez. De Lily Rose. Attends, toujours frappé. Surtout qu'on a du retard, il faut s'excuser. On va dire qu'on a beaucoup travaillé. Ah. Bonjour. Bonjour. Désolé pour le retard. Lily Rose. Bon, attends, toujours en retard. Laisse-moi parler, ouais, Lily Rose, ouais. Laisse-moi parler. Qu'est-ce qui se passe encore? On a beaucoup travaillé sur le projet d'art plastique cette nuit. Ah, déjà? Du coup, on est un peu en retard. On bon, tu es excusé alors, t'es en avance. Lily Rose, voilà son projet. Voilà. D'accord, bah, on verra ça tout à l'heure. Vas-y, dépose-le là. Tu veux que je t'aide? Non, vraiment. Ça va, allez, d'accord. Elle est jolie, ta couverture. Ça va, Valentin? Salut, ça va et toi? Ouais, bah nickel. Regarde, c'est mon projet, ça. Toujours en quatrième. Oui, c'est quoi ton projet d'art plastique? C'est de l'art abstrait. Ah, wow. il est un peu moins vivant que le nôtre. Ah oui, ça c'est sûr. Comment ça? Non, on a fait quelque chose de très... Tu as aidé Lily Rose. Ah oui, bah on a travaillé toute la nuit, on a fait quelque chose de très vivant. D'accord, donc c'est un projet très commun. Très... Bon, on verra ça tout à l'heure. Oui, bon, allez, je vous laisse. Hein. D'accord. À la prochaine. Bon, vous allez... À la prochaine. Vous trouvez vos livres?
Bon, je la laisse dans la galère un petit peu parce que moi je peux pas imaginer si le prof découvre que c'est un chat maintenant, ça va être de ma faute et tout. Donc moi j'ai le rendez-vous avec le directeur, je vais y aller tout de suite et j'espère que Lily Rose va pas trop en parler avec les autres élèves de la classe, sinon on va se faire griller direct. Je me demande comment elle va libérer le chat dans la classe du coup. Bon, elle va peut-être attendre la récréation, mais bon, là, ce n'est plus mon problème. Moi, j'ai rendez-vous chez le directeur. J'espère que ça va bien se passer pour elle. Allez, ciao. Valentin, tu vas me dire en anglais maintenant, aujourd'hui, c'est mercredi. Je sais pas, monsieur. Valentin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à te dire. Bah, vas-y, dis-moi. Tu vois, mon projet, il est un peu bizarre. Ouais, il est vachement vivant, apparemment. En fait, c'est mon chat. C'est ton chat? Oui. T'as amené ton chat à l'école? Mais oui, mais chut, tais-toi. Désolé, je suis désolé. Allez, on travaille. Taisez-vous, taisez-vous. Vous allez vous taire, qu'est-ce qui se passe encore là? Hein? Vous êtes non, en train de faire vos exercices d'anglais, j'espère, hein? Lily Rose, comment on dit un chat en anglais? Non, c'est pas miaou. Cat? Oui, très bien. 20 sur 20 alors. Ah, ah, ta moyenne, elle va monter ce mois-ci. Ah oui. Bah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai, c'est ton projet. Ah bon. Oui, vous pensez que c'est. Allez, quoi, on va regarder. Non, surtout pas. Tu veux ça le présenter toi-même peut-être? Oui, oui, je vais le présenter moi-même, c'est ça. Mais bon, vous pouvez aller vous cacher parce que j'ai une préparation à faire en bon, fait. Je vais me mettre à mon haut bureau voilà, et puis je vais te regarder. Non, tu veux faire la surprise? Voilà, exactement. Bon, d'accord, allez les enfants, on ferme les yeux et puis après on ouvrira les yeux pour regarder le projet de Lily Rose. Oui. Allez, on compte jusque combien, Lily? Vous comptez pas, juste vous attendez. Bon, on attend ton top départ. D'accord. Allez, faut pas que ce soit trop long, hein. Mais comment je vais faire? Oh là là, Lily, c'est un peu long, hein. T'es sûr que c'est fini? Normalement, ton projet, il doit être terminé, hein. Ouais, ça avance. J'ai envie de regarder. Bon. Il est vivant, ton projet. Oui, il est vivant. Il y a une bande son, il y a quoi? C'est de la musique. Ouais, c'est ça, c'est de la musique. Ah bon, voilà. Attendez, encore un peu. On va avoir une bonne note alors. Ah ouais, ouais, ouais. Je suis impatiente de voir. Je pense que toute la classe aussi est impatiente. Oui, oui, tout le monde est impatient, oui, tout le monde. Mais c'est quoi ça, Lily? C'est mon projet. C'est ton projet, mais c'est pas un projet, c'est ton chat. Comment expliquer? Mais ouais, il est statue. Mignon, en plus. Mais c'est une statue. Une statue, tu vois, je vois bien que il bouge. Reviens ici, minou, merci. Oh là 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 là, mais il est parti. Oh là là. Monsieur, je suis vraiment désolée. Bah, tu peux être désolée. Comment ça se fait? C'est pas un projet, ça. Moi, j'avais demandé un projet en carton. Hein, et là, et tu me ramènes un chat. Et Valentin, t'aurais pas pu me le dire, hein? Et Valentin, il était complice. En fait, c'est lui qui m'a dit de ramener le chat. Comment ça? Le meilleur élève de la classe a voulu... C'est pas vrai. Mais si, c'est lui. Arrête de mentir. Non, taisez-vous. Vous êtes punis tous les deux. Retenus 2 heures avec des exercices d'anglais, de maths. Et bon, puis, voilà. Hein? Bonne journée. Allez, au revoir. Valentin, tu restes là, t'es puni. Tu prendras pour Lily Rose. Allez, hop, assis-toi. Pourquoi c'est toujours moi? Ah bah parce que bah t'es là, tu restes, t'aurais. Voilà, t'avais qu'à partir. Ça tombe sur moi. C'est toujours ta. Et t'aurais pas dû donner l'idée à Lily Rose de ramener son chat. Mais c'était son idée, même celle d'Esteban, j'en suis sûr. À chaque fois ils font ça exprès pour que je sois puni. C'est tout le temps comme ça. J'ai dû laisser le chat. Quoi? Il est resté au collège. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le prof, il était, comment dire, un petit peu énervé, du coup, en fait. Il a découvert le chat. Bah, en fait, j'ai dit que c'était de la faute de Valentin. Du coup, bah, Valentin, il est resté dans la classe et moi, je me suis enfuie. Mais t'aurais dû récupérer le chat, comment on va faire? C'est notre chat quand même. Ouais, je sais pas. Ah bon, les amis, ne jamais ramener son chat à l'école. Ça, c'est sûr, faut jamais faire ça, même pour un projet d'art plastique. Bon. Ouais, au moins, il lui reste sa maison parce que t'as pas récupéré la cage de transport. Je pense qu'on va plus jamais faire ça. Ah non, mais là, il faut qu'on aille le récupérer, on n'a pas le choix. Bah, et en plus, le directeur a dit la prochaine bêtise de Lily Rose, elle est virée. Ouais. J'espère qu'il va pas savoir pour tout ça. Ah ouais, ça c'est sûr. Bon, les amis, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait rire. Évidemment, c'est un sketch. On n'a pas vraiment ramené un chat à l'école. Ouais. Il était la plupart du temps même pas dans sa cage, etc. On le mettait que pour que pour la vidéo. Ouais. Donc, de toute façon, c'est sa petite cage de transport quand il doit aller chez le vétérinaire. Donc, on se dit à la prochaine. Vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine. Bye bye. Ciao.